Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir comment votre compte Facebook peut être piraté facilement si vous ne faites pas attention. Les détails juste après la pause. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'application Facebook. Et vous êtes sûr, bien sûr, elle ressemble exactement à l'application Facebook. Donc, on va essayer d'y accéder. Là, vous allez mettre donc votre compte Facebook afin d'y accéder. Donc, je vais mettre une adresse email. Et là, donc, je vais mettre un mot de passe. Soi-disant mon mot de passe pour accéder à mon compte Facebook. Puis donc pour se connecter, il suffit de toucher connexion. Donc j'attends la réponse de l'application. Alors donc j'ai le message, la connexion a échoué. Impossible de vous connecter, veuillez vérifier votre connexion internet. Donc je vais toucher OK. On va essayer une deuxième fois. Pour donc connexion, donc une deuxième fois le même message, la connexion a échoué. Si on va répéter un maintes fois, on aura toujours ce message. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas l'application Facebook. C'est une application dangereuse qui permet à des personnes mal éduquées de pirater les comptes Facebook de leurs amis ou de leurs membres de famille. Pourquoi? Peut-être vous n'avez pas de données mobiles ou vous n'avez pas de connexion internet. Vous souhaitez donc accéder à votre compte Facebook. Vous allez demander tout simplement à votre ami ou à quelqu'un de votre famille pour utiliser son téléphone afin donc d'accéder à votre compte WhatsApp. L'application que vous allez trouver, c'est celle-là. Après, vous n'allez jamais donc vous connecter. La réponse de ce dernier, c'est que peut-être que ses données mobiles ont été épuisées ou qu'il n'a plus de solde. Et voilà, vous allez donc quitter l'application. Vous n'avez pas accédé à votre compte. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc lui, il va venir ici. Il va toucher deux fois sur le carré où il y a le F. Remarquez. Voilà, donc on a ici la date et les heures des tentatives. Il va cliquer sur... Et voilà. Ici, utilisateur, adresse email que j'ai fait et le mot de passe. Donc, il a pu donc avoir votre adresse email ou votre numéro de téléphone et le mot de passe de votre compte. Ainsi donc, votre compte Facebook a été piraté par votre ami ou celui qui vous a donné le téléphone pour accéder à votre compte. Donc cette application, elle est très dangereuse. Il faut toujours faire attention. Que je veux vous dire, il ne faut jamais, jamais, jamais utiliser le téléphone d'un autre, soit que ce soit votre ami ou quelqu'un de votre famille pour accéder à votre compte WhatsApp. Donc ainsi, il peut avoir les données de votre et il le pirate. Et il l'utilise. Et peut-être que vous allez poser plusieurs questions. Qui est-ce qui a piraté votre compte Facebook? Et vous n'arriverez jamais à la bonne réponse. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.